Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment réaliser un bulletin de notes automatique. Donc regardez les amis, par exemple si je change la note de la matière, l'observation, ça va être aussi changé. Par exemple 10, regarde, donc c'est passable. Ok? 14. Très bien. Donc c'est et c'est l'observation, c'est le prof qui s'occupe. Mais avec cette formule, avec ce bulletin de notes automatique, on va le, ça va être devenir automatique. Donc c'est automatiquement quand la personne entre juste la note, donc tout va être affiché d'une manière automatique. Ok? Par exemple, si je change les notes, par exemple 10, regardez, donc cette personne s'est admise avec la moyenne générale 11. Ok? Donc, c'est ça ce qu'on va faire dans cette vidéo. Très bien. Alors, allons-y. Donc, je vais offrir une nouvelle feuille. Alors, la première chose, c'est sélectionner les colonnes. Voilà, bulletin. Bulletin de notes automatique. Donc, je sélectionne et je clique sur centre, milieu. J'augmente la police. Et voilà. Ici, c'est le nom et le prénom. Donc, nom et prénom. Centré. Voilà, c'est très simple, les amis. Donc, ici, donc, matière, coefficient. Total observation. Voilà, donc je sélectionne comme ça. Bordure, voilà, centré. Très bien. Donc je sélectionne bordure, toutes les bordures. Ok. Donc ici, c'est la matière, par exemple, informatique. Informatique, maths, arabe, français, anglais, SVT. Ok? Donc ici, c'est... Pardon, je vais ajouter la colonne de notes, l'endroit. Insérer à gauche, donc note. Alors ici, total dans note, moyen général et résultat. Voilà, centré. Donc ici, je vais sélectionner cette colonne et je clique sur le bouton 3. Voilà. Je vais augmenter voilà, si je vais augmenter la taille, mais pas de problème. Je vais la augmenter avec cette méthode comme ça. Voilà. Très bien. Alors, je sélectionne toutes les bordures. Très bien. Voilà, là. Comme ça. Ok. Maintenant, je vais saisir donc, les coefficients. Par exemple, 2 pour l'informatique, 3 pour maths, 5 pour arabe, 6 pour français, 2 pour
clé SVT C5. Ok, donc je sélectionne tout et je centre comme ça. Alors maintenant égal, donc on va faire le automatiser nos formules, donc égal la note fois coefficient. Ok, et maintenant je glisse vers le bas. Ok, voilà, je le mets très bien. Par exemple, quand je quand je saisis la note, par exemple 20, donc ça va être calculé automatique. Ok, voilà, donc je sélectionne toujours comme ça pour centrer. Très bien, c'est la même chose pour cette colonne. Voilà, très bien. Alors ici je vais calculer le total de notes égal, donc somme, voilà, donc vous voyez, donc c'est total, donc centré, très bien. Ici c'est la moyenne générale, donc on voit, donc égal moyenne générale divisé par 20, voilà, c'est la formule. Ok, centré, voilà. Alors maintenant on va ajouter notre condition. Donc si la personne obtient la moyenne générale supérieure ou bien égale 10, c'est admis. Sinon, ne admis. Ok, donc égal, donc si, donc si, donc on va appliquer donc sur F10. Ok, donc F16, pardon, voilà, si F16 supérieur ou bien égal 10, dis-moi, bien affiche-moi admis. C'est non, non admis. Ok, ferme la condition, donc c'est non admis. Ok, alors l'observation pour la note, donc l'observation c'est le prof qui lui donne. Ok, donc on va faire notre condition ici, donc égal si, donc on va choisir donc 19, donc si 19 par exemple supérieur 10, dis-moi passable. Ok, ou bien si 19 supérieur 12, dis-moi bien, donc à notre formule, donc si 19 supérieur 14, dis-moi très bien. Ok, bien, si 19
cette période, par exemple 18, des mois, excellent, ainsi de suite. Ok, faire là-bas. Donc, combien de si nous avons? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait, je dois mettre ici 4 parenthèses. 1, 2, 3, 4 et entrée. Voilà. Par exemple, 10, 12. Voilà. 10, 15 par exemple. 10, 8. Voilà. Donc je vais juste rédiger cette condition. Ok, égale 10 et moins, ok. Donc si sinon rien, voilà. C'est non faible, voilà. On voit les âmes ici. Donc si la moyenne CP ou bien égal 10, c'est passable. Si 12, c'est bien. Donc aussi si aussi bien. Si 14 ou bien 14 très bien, si 18 bien excellent, c'est un voilà. Ok, voilà les amis. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis. Donc j'ai pas fait un montage de vidéo, c'était naturel, donc sans montage. Donc comme vous avez donc il y a des choses que je dois supprimer, mais je les laisse comme ça. Donc mais j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partage et bienvenue encore dans ma chaîne. Au revoir.